On vient d'arriver sur Paris, ça y est. On est de retour sur Paris en plein mois d'août parce que tout simplement on déménage. On va rendre l'appartement pour partir vers de nouvelles aventures. Du coup là on arrive un petit peu à la fin de ce déménagement. Le canapé, on est rentré aujourd'hui, le canapé il part demain. Et pourquoi est-ce qu'on est rentré aujourd'hui? Coucou. Pourquoi est-ce qu'on est rentré aujourd'hui? Parce qu'on avait accroché la télé ici, voilà. Ça avait fait quelques petits trous dans le mur. Et du coup, il va falloir qu'on repeigne tout ce mur-là. Bon, pour être hyper honnête avec vous, j'ai passé un mois de juillet tellement, mais tellement fatigant. Entre les cartons, vendre les meubles, oh là là, c'était interminable. Donc, voilà pour cette pièce-là. Là, la cuisine, c'est vraiment tout ce qui nous reste dans l'appartement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait fait nous-mêmes avec Clément. Ça va rester là. De toute manière, ça nous aurait trop embêté de le démonter. Ensuite, bah, tout la table, elle part vendredi matin. Avec d'ailleurs nos ampoules Philips Hue ainsi que les petits, les petits luminaires. Dans la chambre. Bon bah voilà, pareil, tout est vide et ça fait trop bizarre. Il reste seulement le dressing et puis bah quelques petites affaires. Vraiment, c'est vraiment quelques petits trucs que bah, je vais emmener avec moi. Notre petit balcon qui va aussi trop manquer. Non, c'est pas vrai. Il est à l'ombre tout le temps. C'est une cata, on n'a pas pu en profiter en fait. Il fait tout le temps trop frais ou même en plein été, il fait trop frais. Ouais, c'est moi qui vais peindre. Donc voilà, je vous filme tous les travaux qu'on va faire ces prochains jours, tous les petits trucs qui nous restent à faire encore à Paris. Et puis ensuite, je vous fais un petit débrief. Bon, aujourd'hui, je peins. Voilà, donc on a acheté de la peinture, on a des petits pinceaux, on a pris des petits... Aïe! Un rouleau. Ah, il est mouillé. Ah, il y a de la peinture dessus. Ah, premier échec, il faut pas que... Ok, alors je dis direct, j'ai jamais peint ma vie, je sais pas comment faire. On m'a dit horizontal, vertical, et ensuite tout vertical du bas vers le haut. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je vais préparer mon terrain. On a des journaux, du scotch, ça. Donc voilà, c'est parti, mon kiki. Là, yes, vas-y, dis-moi.
J'arrive bientôt là. Ça y est, papa. Et la peinture n'est pas blanche, hein, c'est bizarre, non? Non, faut que tu la remues maintenant. Avec un pinceau? Ouais, bout de bois. Moi, j'ai pas de bout de bois. Hein. On est à Paris. Oh non, j'ai mis sur l'interrupteur. C'est n'importe quoi. Franchement, j'ai toujours voulu peindre dans ma vie. Bah, c'est pas si exceptionnel que ça. Je vous conseille pas. Parce que ça, je peux te dire, c'est le travail le plus dur. Et je pourrais te dire que toi, t'as rien fait. Tu fais des grosses traces. Oh ! Mais arrête ! Bon, là, on se prépare là. On est prêt pour un long périple. On prend les transports jusqu'à l'appartement. On va faire l'état des lieux. Et ensuite, let's go, on emmène les valises et tout ce qu'on a là, toutes nos affaires chez mes parents. On va finir les vacances à la Baule. Ok, d'accord. Bon alors, Clément ? C'est fini. C'est fini ? C'est fini. Ouais, fin de cette aventure. 4 ans quand même. Enfin, je vais pouvoir te tâcher. Non, c'est pas vrai. Tu m'aimes trop. Deux bouteilles citron. Oh, t'as bégayé, hein. Ouais, je veux bien de votre Vic citron, s'il te plaît. C'est tout, pas de truc à manger ? Non, on va prendre le Starbucks. Ah, ta charpe ? Ouais. Allez, à plus. À plus, dans le bus. Voilà, l'état des lieux s'est super bien passé. J'ai eu un peu la pression, forcément. J'ai repeint tous les murs et tout. J'avais vraiment peur parce que mon appart d'avant, on m'avait pris ma caution pour des trucs, mais tellement futiles. Et du coup, là, je me suis dit, je leur laisse pas de chance. Oh, ma fille, tu faisais sûrement dormir ou quoi? Elle a eu son vaccin hier. Du coup, là, elle est KO. Donc là, quand même, hyper soulagée. Ça va être beaucoup de stress en moins. Déjà, l'appartement, c'est plus à gérer. On va pouvoir souffler un petit peu et passer à l'étape d'après.